Bonjour tout le monde, c'est l'heure de se retrouver pour un nouvel unboxing Playmobil. Vous avez aimé la gamme du zoo en 2020? Complétez-la avec le set 70900, le centre de soins. Ce promo pack est sorti dans la collection Family Fun et je vous propose de passer tout de suite à son assemblage. Et si je vous parle du thème du zoo de 2020, que je vous invite d'ailleurs vivement à découvrir en vidéo sur ma chaîne, eh bien ce n'est pas du tout un hasard. Ce promo pack a vraiment été conçu en complément et reprend les couleurs de la gamme, à commencer par ce joli vert pétant. On y trouve donc un bâtiment bien connu, déjà vu en 2019 dans le promo pack de la pizzeria 70336 et qui nous vient tout droit du café du port 5129 apparu en 2011. Depuis, on l'a vu à toutes les sauces ce bâtiment. Dans les deux thèmes du camping, le parc aquatique 70115, le centre de loisirs 5634, bon, va peut-être falloir passer à autre chose un jour. Mais sinon, je suis quand même très content qu'on ait ce centre de soins car ça manquait vraiment dans le thème pourtant très fourni du zoo de 2020. Et c'est quand même l'occasion de découvrir de nouveaux animaux, vous vous rendez compte? Alors qu'il y avait déjà plus de 30 espèces dans cette gamme-là, c'est fou! Et dans ce promo pack, on a bien sûr plein de petits accessoires pour nourrir et soigner nos amis les bêtes. Et voilà, je vous présente notre centre de soins où s'active notre vétérinaire Marie Bérangère. C'est tout mignon, ça se marie parfaitement bien avec le thème de 2020, et ça permet d'ailleurs d'ajouter un bâtiment dans cette gamme qui en manquait cruellement. Et puisqu'on parle de bâtiment, on va regarder plus près cette construction que l'on commence donc à connaître par cœur. Je l'aime bien, c'est pas le problème, mais ce serait bien d'en changer un jour. Bref, ils ont quand même pris soin de mettre les couleurs et surtout le logo du parc animalier de 2020 avec la jolie petite tête de pandarou que l'on retrouve aussi sur la vitre de la fenêtre. On trouve sur le côté un plan du zoo, ce qui est pratique pour se repérer, sauf que ce n'est pas exactement le même plan que dans la gamme complète. Aïe! Bon, c'est un détail. On a aussi cet emplacement pour le vélo de la vétérinaire qui permet donc à Marie Bérangère d'intervenir rapidement dans tout le parc. Ah bah oui! C'est plus simple et plus rapide en vélo qu'en camionnette. Et puis la petite remorque est bien pratique elle aussi pour apporter tout le matériel médical, ou bien tout simplement la nourriture, comme ici. Faisons maintenant un tour à l'arrière du bâtiment et comme vous le voyez, c'est très compact. On n'a pas énormément de place mais on peut quand même glisser deux ou trois trucs. Le plus important bien sûr, c'est la table d'examen avec la lampe pour bien voir lors des interventions. Sur le côté, on a une étagère où ranger tous les produits de soins. Et j'ai calé également dans le fond de la pièce un joli petit vivarium avec deux petites tortues, les mêmes que dans le set 70342, mais de couleurs différentes. Et justement, les voilà, nos animaux. Bon, on retrouve une girafe et un bébé panda, ce qu'on avait déjà dans la gamme complète du zoo, mais on a la chance d'avoir en plus un chimpanzé et son bébé. Alors oui, les chimpanzés sont quand même assez communs chez Playmobil, mais là, on n'en avait pas eu dans le thème, donc tant mieux. Pour nourrir tout ce petit monde, on a tout ce qu'il faut. Du foin, des bananes, des carottes, de l'herbe, des petits pots et même un biberon qui est bien utile pour le petit bébé chimpanzé. Et comme il y a une terrasse sur le toit du bâtiment, on peut en profiter pour nourrir la girafe d'en haut. Bon appétit Sophie! J'en profite pour vous montrer les deux cliquises de la boîte, Marie Bérangère, avec sa petite veste où se trouve le logo du zoo, ainsi qu'une petite enfant blonde avec un très joli sweat où est dessinée justement une girafe. J'aime beaucoup. A noter également la présence d'une barrière d'enclos similaire à celle du zoo. Une barrière. Une seule. Bon, on n'ira pas loin avec ça, hein. Et enfin, on trouve également une planche de stickers, de pansements et de bandages pour soigner les bobos des animaux. Et voilà, il est sympa ce centre de soins du parc animalier, non? Un petit set mignon avec quand même pas mal d'animaux différents et un bâtiment plutôt joli avec tous les accessoires qu'il faut. C'est un promo pack assez réussi à mon sens. Ils auraient quand même pu le sortir en même temps que le zoo, non? Profitez-en pour aller voir mon unboxing de la gamme complète du zoo d'ailleurs. Ainsi que les nombreuses autres vidéos Playmobil de ma chaîne. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce en haut et en ajoutant un commentaire où vous me dites quels sont vos animaux du zoo préférés. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça on va pouvoir vite se retrouver pour de nouveaux unboxings. A très bientôt dans le monde des Playmo. Ciao!